Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'école des mots de la quatrième année d'enseignement primaire, édition 2019. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'unité didactique numéro 1, les activités orales, dans la page 14 et 15. Donc, les activités orales, dans la page 14. Donc, on passe à la page 14. Pour commencer cette activité orale, donc dans la page 4. Donc nous avons la leçon d'aujourd'hui, présenter sa région, son pays, yani antuqaddima jihataka ou antuqaddima dawlataka. Donc nous avons des questions sur lesquelles, donc des questions dont je comprends. On va répondre à ces questions. Donc, il y a la première question, qui sont les personnages représentés sur l'image? Donc, on va voir l'image. Donc, quels sont les personnages représentés sur l'image? Donc, dans cette image, on voit un professeur et des élèves. Ça, c'est un professeur, ce sont des élèves. Donc, les personnages représentés, ce sont, donc, il y a un professeur. Et des élèves. La deuxième question, où sont-ils? Donc dans une salle ou bien dans une classe? Donc ce qui montre un homme dans une classe, le tableau, il y a des tables, il y a donc dans une salle. Donc ils sont dans une salle. Ou dans une classe. Là, fiqism. La question suivante, qu'en font-ils à votre avis? Donc ils apprennent, ou c'est une activité orale, donc ils apprennent le français. Donc ils apprennent la langue française ou bien le français. La question suivante, quels sont les monuments représentés sur la carte? Donc, je connais au moins les monuments de l'Ekibano, de la carte, c'est-à-dire la carte du Maroc, et les charrettes du Maghreb. Donc, je connais les monuments de l'Ekibano, de la charrette. Donc, il y a les monuments historiques des villes de Maroc. Donc, donc on va commencer le Parlement du Rabat, donc il y a le Parlement de Rabat. Marina à Tanger, Jemel Fna à Marrakech et Péninsule de Dakhla. Donc, Péninsule de Dakhla. Donc, les monuments représentés sur l'image, donc sur la carte. Donc, il y a le... Donc, on va écrire ici, donc, elle a Marina. Le Parlement, yani le Parlement. Le Parlement. Jamais. Donc, jamais. Non. Donc, péninsule. Voilà, donc, les monuments de Kenya. La question suivante, dans quelle ville se trouve-t-il? Donc, Anna Marina, à Tanger. Donc, Tanger, Kenya, Rabat, le Parlement à Rabat. Kenya, Jemel Fna, à Marrakech. Ou elle a Dakhla péninsule. Donc maintenant, les questions avant la lecture. D'abord, on va lire, on va écouter le texte. Donc nous avons un texte ici. Donc en classe de français, à tour de rôle, les élèves de la quatrième année présentent
des informations sur la civilisation marocaine, Ayman prend la parole. Il y a la classe de français à tour de rôle, qui a droit les élèves de la quatrième année d'enseignement primaire. C'est l'ami Rabia Abtidaï. Il présente des informations sur la civilisation marocaine et la Hadara al-Maghribiya. Il est Ayman, qui a la parole, qui a le kalima, de la civilisation marocaine selon son avis. Au Maroc, il y a beaucoup de monuments historiques. Donc, au Maroc, il y a beaucoup de monuments historiques, À Fès, il y a la mosquée Al-Qaraouiyin. La mosquée Al-Qaraouiyin, la Médersa Bouhanania, ou la Madrasa Al-Bouhanania. Donc, à Fès. À Marrakech, on trouve la mosquée Koutoubia, fi Madinat Marrakech, qui est Ayman, bi'inna kain la mosquée, yani Masjid Al-Koutoubia. Ou la Jamel Koutoubia. À Casablanca, fi Madinat Darbida, il y a la mosquée Hassan II, idem kain Masjid Hassan II. Au Maroc, donc fi Maghrib, il y a aussi des Ksour, kain Qosour. دي كسبة وكين قصبات بحال قصبة الوداية في الرباط اي دي موزولي واضريحة لي مدينة ماروكان يعني فاش كنقولو لي مدينة يعني كنقصدو بها المدينة العتيقة افيك لوغ غيال هي اللي كنلقاو فيها ديك الطرق الضيقة ديك الطرق الضيقة كنسميوها لي غيال مثلا في مدينة فاس في المدينة القديمة كنلقاو ديك لي غيال كنلقاو في مراكش في المدينة القديمة دائما كنلقاو لي غيال اي لوغ بيتيت بوتيك وكنلقاو بعض الدكاكين اللي هي صغيرة ماشي بحال الدكاكين الحضارية ديال دابا غار توجور اون اورغانيزاسيون تراديسيونيل هذا الشيء كيحافظ على الحضارة او لا على تنظيم تقليدي إذن هذا هو التكست nous avons bien compris le texte d'abord on va répondre à la واحد مجموعة de questions avant de terminer la séance donc qui parle dans le texte شكون اللي كيتكلم في هذا لو تكست سي أيمن كي parle هو اللي خد لا بارول donc سي أيمن كي parle la deuxième question qu'est-ce qu'il fait Donc, Ayman donne des informations sur la civilisation marocaine. Ayman, donc, il donne des informations, yani ma'loumat, des informations sur la civilisation marocaine, yani l'hadara al-maghribiya. Yani, nous, dans cette unité, nous parlons de l'hadara. Quels sont les monuments historiques cités dans ce texte يعني شنو هما المعالم التاريخية اللي ذكرها إيمان عندما أخذ الكلمة والمذكورة في هذا النص إذن كاين عندنا إذن هو صنفها على حسب المدن كاين عندنا لا موسكي كتبية لا موسكي كتبية كاين عندنا la mosquée Eden la mosquée Al-Qaraouiyin la mosquée Jami Al-Qaraouiyin وكاين عندنا la madrasa Bouhanania la madrasa المدرسة البوعنانية وكاين عندنا لا موسكي حسن لا موسكي مسجد الحسن الثاني لا موسكي حسن فوالا
هذه هما لي كيسيون ديال هاد لا سيونس. فوالا سي لا فان ديال هاد لا سيونس كونسيرنون لي زاكتيفيتي اورال بور لو ليفر ليكول دي مو بور لا 4e année d'enseignement primaire l'édition 2019.